toujours plus ou moins la vague qui dicte le tempo. Et après, on peut développer un langage dessus, mais on a toujours un rapport avec le rythme, en fait. Le rythme des vagues qui vient, le rythme d'une manœuvre qu'on fait sur une vague, le rythme définit un peu ton style, que ça soit, on va dire, plus une rythmique plus exigeante, ou plus syncopée, ou je pense qu'est-ce qui définit le longboard traditionnel. On danse avec la vague plutôt que, par exemple, être à contre-coup de la vague ou imposer son rythme à la vague. Là, on laisse chaque partenaire mener la danse à tour de rôle. Si on est vraiment passionné et si on considère que le surf représente une partie importante de sa vie, savoir d'où on vient et tout ce que le surf comporte de caractère, de personnage, et j'ai retrouvé tout ça dans le longboard. Même si ça paraît très simple et très fluide, gracieux, il y a beaucoup de références culturelles, historiques et aussi esthétiques qui m'ont passionné. Il y a des codes, il y a un thème, il y a une structure, et qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de la structure et qu'est-ce que t'apportes surtout? Qu'est-ce que t'apportes à une vague?